La Féberette. Je rêve. Je rêve. Je viens de voir quoi? Donne mon téléphone, j'appelle. J'ai dit faire. Qui a osé dire ça? C'est plus ma copine. Les affaires, ça. Je m'en fiche, regardez-moi ces sourcils, wesh, qu'il y a une pilosité comme ça. Salut, salut! Bon, alors aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo, je pense qu'on va bien rigoler. Je pense qu'on va bien rigoler. Ticelle, en tout cas, moi je sais que je vais bien rigoler. Tu vas me faire une connerie. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je suis allée sur Instagram. En cachette? Tout le monde va me dire comment étaient tes oreilles. Attends, c'est que... T'es allée sur Instagram en cachette? C'est que le début. En cachette, cousine, on est... Oui, mais trois là en cachette, on est à côté. Tu t'es pas connectée sur Instagram et tu te connectes pas... Non, tu te connectes pas sur Instagram. Et en fait, j'ai demandé aux gens de poser des questions, voilà, par rapport j'espère qu'ils vont pas dire, est-ce que tu sais un appui du cul ou quoi. Voilà, donc poser des questions et en fait, toi, tu dois répondre aux questions. Et ah, c'est pas je devais répondre à tes commentaires méchants une fois? Mais là, tu vas répondre à mes questions. Ouais. Voilà, donc tu vas répondre aux questions. Alors, moi en fait, ce que j'ai posé comme question aux gens, c'est qu'est-ce que vous trouvez un défaut sur Ticelle? Ah, je vais m'énerver. Quel est le défaut de Ticelle? Alors là, la vidéo, tout le monde va me détester, je vais péter les plombs. Ça c'est sûr. Là, depuis le début, je fais que faire des manières comme ça. Ouais, c'était la grosse surprise de la vidéo. T'étais pas au courant. En fait, je disais vite, faut pas qu'elle se connecte jamais sur Instagram parce que tu te connectes. Je regarde jamais tes stories en fait. Si, sur Snap, oui, tout le temps. Ouais, mais pas sur Insta. Je me suis dit, je la mets que sur Instagram et elle va pas se connecter sur Instagram. Et j'étais là, j'espère qu'elle va pas y aller. C'est bon, j'ai réussi. Alors, que pensez-vous de Ticelle? Et je leur ai dit d'être franc et d'être vraiment franc et que je dirais pas les noms, ni rien. Mais voilà, il fallait qu'ils disent la vérité. Moi, je vais venir vous insulter en privé. Alors, il y en a une qui a dit que Ticelle était un peu narcissique, mais pourtant, c'est qu'une façade car elle est naturelle. Bah ouais, je me kiffe. Regardez la beauté que je suis. Comment ne pas aimer une fille comme moi? Oh non, mon jardin, il est parti. J'ai pris 3 heures à le mettre. Mais je savais que tout le monde allait dire ça. Parce que mon plus gros défaut dans ma vie, là, c'est... elle se la pète trop, alors ça sera jamais ma copine. Hein. Alors là, c'est parti, on commence à s'énerver. Là, c'est parti. C'est pas en plus, tout le monde dit ça que je me la pète. Eh, c'est pas parce que vous ressemblez à des Fiat 500 et que moi je ressemble à une Ferrari que forcément il faut avoir de la jalousie, hein, les copines. Je rigole avec mon trou dans le pied. Non, je rigole. Mais attends, je réponds. Ah, vas-y. Depuis tout à l'heure, je parle de ces manières. Non, en vrai. Je sais pas si je suis narcissique, pourquoi tout le monde me dit ça? C'est vrai, moi je confirme que t'es narcissique. C'est pas que je suis narcissique, c'est qu'il faut toujours se faire belle. Mais quand tu t'es fait belle, tout le monde le sait parce que t'arrêtes pas de faire des TikTok, tu te prends en photo. Bah oui, bah comme tout le monde. Les filles elles vont pas se faire des TikTok, se prendre en photo et tout quand elles sont vilaines. Ouais. Bah moi je fais bien pleine de snaps en pyjama, heureusement qu'il y a les filtres et toutes les filles de ce monde est narcissique, ça veut dire. Parce que toutes les filles font des snaps, toutes les filles. Ouais, il y en a qui s'en foutent. Ouais, il y en a, elles sont là, t'es trop belle, ah merci et tout, genre en mode, tu sais, alors qu'au fond d'elle, elle savent. Hein. Ouais. On passe au suivant. Alors, le truc qui revient tout le temps, elle a des gros sourcils là. Alors là, je ne répondrai même plus à cette attaque parce que vous pouvez dire elle a des gros sourcils, elle ressemble à un chihuahua, même vous pouvez dire elle a une tête de cul, mais je m'en fiche, regardez-moi ses sourcils, wesh, qu'il y a une pilosité comme ça. Heureusement, ce mot qui brode est rentré dans ma vie, elle a changé ma vie. Alors moi, j'aime trop mes sourcils, vraiment, les personnes qui critiquent mes sourcils, jamais de ma vie, en fait, ça m'atteint pas parce que je les aime trop. C'est vrai, j'aime tellement mes sourcils. Ouais, t'en as eu des critiques sur tes sourcils. Ah ouais, sur mes TikTok, ces sourcils. Sur mes vidéos YouTube, ces sourcils. Sur mes photoshoot, ces sourcils. Sur mes trucs privés, ces sourcils. Les barres de shit. Ah ouais. Ah ouais, tout le temps. Non, on me dit pas ça, on me dit juste, ouais, tes sourcils sont trop gros par rapport à ton visage. Mais est-ce que j'ai le visage fin même? J'ai pas un visage fin, tu vois. En plus, t'es bronzée, donc ça va. Encore si t'étais blanche avec des gros sourcils, je pense que ça serait encore plus. Moi, j'aime trop les filles avec des gros sourcils. Après, j'aime bien des filles aussi qui n'ont pas des gros sourcils, mais la plupart des filles avec des gros sourcils, j'aime trop, je trouve ça trop beau. C'est les filles typées qui font ça. Ouais. Je regarde un film arabe, en ce moment, je regarde que des films arabes sur Netflix. J'ai tapé Maroc, j'ai tapé Arabe, Arabie, ou je sais plus ce que j'ai tapé. Mmh. Je suis tombée sur plein de films, des films d'Arabie Saoudite, égyptiens et tout ça. Ouais. Il y avait les filles là-dedans,
Elles ont des sourcils noirs, bruns, elles sont trop belles. Les Libanaises aussi, elles ont des gros sourcils, c'est beau. J'aime bien. On continue ? Ouais. Alors, elle fait pas assez de vlogs. Wow, c'est une critique gentille ça. Oui, mais tu fais pas assez de vlogs. Bah, parce qu'en fait, les vlogs, j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime pas. J'ai mes oreilles qui me grattent, fais mon sur-tête. C'est pas que j'aime pas faire des vlogs, c'est que je me sens pas naturelle quand je vlog. Okay. Genre, j'aime bien vlogger avec mes copines. Mais pas parce moi. Que je avec mes copines, je sais qu'il y a personne qui va venir me critiquer dans les commentaires. Ton highlighter, il est. Il brille plus qu'au mois d'avenir. Hein. Mais c'est. Non, tu sais c'est quoi? Tu sais le blush tarte que tu m'as acheté à Noël? Oui, oui. Le blush, t'as vu? Il fait highlighter. Ah ouais. T'en as même sur le nez. J'irai, j'ai. Non, j'ai mis de l'highlighter sur le nez. Mm-hmm. J'ai cassé mon highlighter Becca Sananas. Ah. Je sais pas par quel moyen. Ça oui, bref, si tu passes par là, c'est cassé. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, je me sens pas naturelle en vlogging. J'ai l'impression que je suis débile. Un peu. Je sais pas. Bref. Ensuite, elle se la pète de temps en temps. Ça revient à tes narcissiques. Ouais, c'est pareil. De temps en temps. Mais vous me voyez que dans des vidéos. Peut-être si c'est des gens qui m'ont déjà vu dans la vie. Peut-être, ouais. Ben ouais, dans la vraie vie, des fois je me la pète, j'avoue. Avec Donia et tout, on se la pète, hein. Et j'aurais une voiture décapotable, on sera en ville comme ça, bim bim. Et arrête, on se la pète. Tu l'as pas voulu la voiture décapotable. Son père voulait lui acheter une voiture décapotable, elle a pas voulu. Donia, je te jure. Non, mais je prends Donia comme exemple, mais on peut prendre n'importe qui, Péline et tout. Normal, on se la pète. Ouais, c'est vrai. On fait les pains mèches. Moi aussi, quand j'étais jeune, que j'avais ma 205 rouge, diesel, que je tournais dans toute la ville, je me la pétais musique à fond et tout. 205. C'est trop belle. C'est bon, t'as ma 205 en plus. Bah ouais. C'est mieux que d'être à pied. Alors, elle cache beaucoup de choses par peur de l'œil des gens, mais Dieu la protégera. Et, t'es pas, et la même fille a dit que t'étais pas assez présente pour eux. Pour eux? C'est-à-dire? Pour la communauté. Ah ouais, mais je suis une personne, je sais pas, j'aime pas. Tu caches beaucoup non, de choses, t'as peur de c'est l'œil. C'est vrai que j'aime pas. Mais attends, quand t'as dit qu'on n'est pas présente pour eux, c'est quand je réponds pas ou c'est genre c'est la même question, c'est assemblé quoi. Non, c'est pas la même question, c'est une autre question. Ah, par rapport à que je cache beaucoup de choses, par rapport à l'œil, ben ouais. Je dis pas les trucs aux gens parce que quand tu dis la plupart des projets que tu dévoiles aux gens, ben ça marche pas. Ben comme le code, voilà. Tu l'avais dit à tout le monde, tu l'as pas eu. Ouais, à chaque fois que je dis quelque chose, je l'ai pas. De toute façon. Non, je vais pas en parler dans cette vidéo, donc tu couperas. Bref, tout ça pour dire que dès que je dis quelque chose à peu importe qui, à part les personnes qui sont vraiment proches de moi, ça marche jamais. Pas. Du coup, je dis plus en fait. Et le fait que je réponde pas. En vrai, si je réponds. Oh, mais c'est ça, juste que je réponds pas. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des messages sur Snap. Ils ont, je sais pas si c'était une fille. Sur Snap, par contre, j'ai les messages bloqués. Qui arrête pas arrêté de me dire Tiss, elle ne me répond pas. Ah, ça sert à rien d'avoir un compte Snap. Non. Pas Snap, je parle pas. J'ai bloqué les commentaires. Je suis dispo que sur Insta parce que sur Snap, ça se mélange avec mes copines. Moi, je suis une personne qui snap toute la journée. Et j'ai tout le temps mes copines qui m'écrivent Snap. En fait, c'est mon moyen de communication avec mes vraies copines. Quoi. Du coup, bah, c'est plus sur Insta ou des trucs comme ça. Alors là, il y a quelqu'un qui a dit « moi, je ». Tu dis toujours « moi, je ». Peut-être dû un manque de confiance à elle. Désolée ma beauté. Moi, je. Tu parles toujours que de toi. Bah, vous voulez que je parle de qui? Je vis avec moi, je suis moi, je m'aime à moi, je mange moi, je dors moi. Voilà, moi, je. Je trouve ça logique. Je vais pas parler à la place de ma mère. Tu m'as déjà dit « ah, si j'avais une copine comme moi, je serais trop contente. » Bah, ouais. Mais moi, des fois, il y a des filles qui m'aiment pas. Enfin, qui m'aiment pas, enfin. Qui me connaissent pas, qui disent ouais, j'aimerais pas être copine avec elle. Mais je suis une copine trop cool, je suis trop drôle en plus. Ouais, c'est vrai. Des fois, tu fais rire. Moi, je m'aime bien. Moi, je. Alors, coucou. Les doigts d'honneur. Je ne veux pas vous blesser en aucun cas, je vous kiffe trop. Oh, on en fait pas beaucoup. De temps en temps. Après, c'est vrai, quand tu fais des doigts d'honneur, je me fais critiquer. Ouais, mais bon, ça va, c'est enfanté. Il y en a plein qui aiment pas ça. Ou quand c'est comme un connasse. Ouais, ou quand ouais, tu m'en fais à moi. Surtout, les gens, ils disent oh, ah ouais, mais quand t'as une fille, mais genre, c'est instinctif. C'est pas parce que je fais. Bon, c'est pas beau. J'avoue que c'est pas beau, n'empêche, je vais faire un doigt. J'en fais jamais, j'en fais qu'à toi quand tu me filmes. Ouais, c'est vrai. Bon, tu m'en fais à moi. Ou à mon frère aussi. Tu m'en fais à moi, c'est à moi que tu dois pas en faire. Les seuls doigts d'honneur que je fais, c'est quand les gens, ils me fixent, je fais ça. Tu sais, genre, parce qu'ils me. Enfin, je sais pas. Même si c'est des gens que tu connais, c'est pas des gens que tu connais. Oui, bah oui, non, dans la rue, tu sais. Si, quand tu conduis en ce moment, tchèque. Parce que les gens, ils savent pas. Je sais pas si j'avais filmé quand elle avait dit, ouais, mais ma mère, elle est tout le temps en train de gueuler quand elle était conduite. Ah oui, tu peux me regarder comme ça. T'as pris la relève, hein. Ouais, c'est toi, je te mets mon gros orteil qui dépasse. Alors, quand elle pète à longueur de journée sur ton Snap, avec des bonhommes qui rigolent. Je pète plus.
J'ai changé, je n'ai plus la culotte qui colle, je ne pète plus. Ça y est, je suis devenue une femme. La culotte qui colle. Tu te rappelles de ça? Oui, ça oui. Date, hein? Oui, mais il y en a qui ne savent pas. C'est quoi l'histoire de la culotte qui colle? C'était quoi déjà? Les affaires, ça. Donc, la culotte qui colle, on a été interrompu. C'était quoi déjà l'histoire? La culotte qui colle, c'était en fait un jour j'avais rigolé et j'avais dit pour rigoler que Tissène avait la culotte qui collait en fait. Et du coup, il y en avait plein sur Snap qui avaient dit: ah, Tissène, elle a la culotte qui colle, ouais. Tissène, elle a la culotte qui et colle. Et du coup, c'était resté pendant au moins un an. Pendant longtemps, j'avais dit: Tissène, elle a. Ah, j'ai un boyau collé. Comment on avait vu? J'ai un boyau là qui s'est. Je sais pas si c'est une femme ou j'ai le boyau là qui s'est tombé. Ça m'a fait qu'une fois, ça fait trop mal. Ah, qui sort de mon corps là. Ouais, carrément. Donc, après. Et du coup, voilà, la culotte qui colle. Alors, franchement, il n'y a rien que j'aime pas ou qui m'énerve en elle, sinon je la suivrai pas. Elle est contente, hein, moi j'aime les gens qui m'aiment. J'aime bien les gens qui m'aiment, je. Mais c'est non, c'est normal. Je trouve ça logique de parler de soi. Je fais une chaîne YouTube, je vais pas parler de mon frère. Alors mon frère, aujourd'hui, il a fait ça, ça serait saoulant. Je sais pas. Si je parle, si, quand tu fais une vidéo, tu parles de toi. Oui. Mais je comprends pas, moi, je, c'est normal. Ouais, je sais pas. Après, quand on parle par exemple, je sais pas, j'ai une. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'énerve. Imagine, j'ai un sujet de discussion. Tu bouges beaucoup quand même, hein? Oui, je gigote, j'ai des verres au cul, moi. Quand je fais un sujet de conversation avec toi. Là, ou alors, non, ça c'est. Si, voilà. Ça m'arrive en vrai. Des fois, je le sais, je parle trop oui, de moi. Oui. C'est vrai que des fois, quand je te dis un truc, tu dis, oui, mais moi, comme ça. C'est vrai, moi, c'est vrai. Quand quelqu'un m'embrouille et tout, il me dit, ouais, t'as fait ça et tout, je fais, oui, mais moi, j'ai eu ça, c'est vrai en vrai. J'avoue, à moitié. Alors, elle nous partage quasiment rien, ça revient même qu'il est blog. Ouais, c'est vrai qu'elle nous partage quasiment rien, tu fais pas trop de snap. À part les snaps privés avec tes copines, j'aime pas. Les stories t'en fais pas, les photos c'est rare. Les gens ils parlent trop en fait. Et les vidéos t'en fais pas ce que tant que t'as pas 500 000 abonnés, si tu parles à ta communauté, les gens ils te regardent en mode XML. Et alors tu t'en fous des gens? Moi je m'en fous des gens. Par contre je suis trop vilaine là, je me regarde depuis tout à l'heure, on dirait un diable. On dirait que c'est les loups rageux là. Moi je on dirait un diable. Arrête hein. Bon ok, je nous regarde. Attends, depuis tout à l'heure. Attends, parce que t'as encore plein de questions, alors on traîne là. J'allais dire que t'es blanche comparée à moi. Enfin, ouais, c'est vrai, je suis noire moi. Alors qu'elle ne fasse jamais de bisous à sa mère. Ben normal hein. Ah non. Je rectifie la chose. C'est pas moi qui fais pas de bisous, c'est ma mère qui est, comment on dit? Ma mère elle est pas du tout tactile, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Elle est pas du tout comme ça. Elle dit jamais je t'aime à sa mère, à mamie. J'aime. Ah ouais, j'aime pas. Des fois, mamie, dans le groupe, elle dit quoi? Bisous mes filles et mes petits-enfants, je vous aime. Elle envoie un cœur. Alors tout le monde dit oui, nous aussi on t'aime. Un cœur. Pauvre. Parce que j'aime pas dire ça, j'ai honte quand je dis ça, moi. Ah ouais? Ça me met la honte, je te jure. T'es bizarre, toi, moi. Comment on appelle ça quand on est ça? On est. Pudique. Ouais, je suis pudique, moi, je suis très très pudique. Moi, ça va. Ah ouais, moi je suis très pudique. Hein. Ça va, ça dépend. Si, quand les enfants ils sont bébés, si j'aime bien leur faire des bisous, après non. Même Chahine, moins bébés, c'est. Les bébés comprennent pas. Même Chahine, moins c'est. Ouais. Je suis grandie. Ouais. Mais tu t'imagines à 20 ans, les vieux faire bisous. En plus, ils me repoussent. Hein. Du coup, ouais, voilà. C'est pas. C'est sa faute. Alors, avant je la trouvais hautaine, mais maintenant plus du tout. Mais parce qu'en fait, je pense que au premier abord, Tissène, elle est trop hautaine. Au premier abord, ouais, je pense que. En vrai, c'est vrai. Parce que des filles comme moi, je les aime pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, aussi, c'est pas que je les aime pas, c'est que. Moi, une fille comme toi, je l'aimerais pas. Moi, si j'avais une copine comme toi, je la détesterais. Pourquoi? Ah, ouais. Ça se voit que tu te la pètes. Oh, le culot. Non, mais au premier abord, quand on voit une fille, genre en mode. Une fille sur les réseaux et tout. Ça dépend, parce qu'il y a des filles que tu suis qui se la pètent. Ouais, moi, j'aime. Mais regarde, je donne un exemple tout bête, mais peut-être je vais me faire clasher dans les commentaires par les fans. Danaï Makeup. C'est une fille qui se la pète de fou, et bien pourtant j'aime trop la suivre. Alors qu'elle est toujours en train de montrer ses formes, parce qu'elle sait qu'elle est bien foutue, tu vois. Mais j'aime trop la suivre. Alors qu'elle se la pète. Mais il y en a plein des gens sur les réseaux qui se la pètent, hein. Mais qui se la pètent. Qui sait qu'ils sont beaux, quoi. Bon, t'as un message gentil, elle est parfaite. Mmh, la biche. Physiquement, c'est pantalon qui quoi, foufou. Physiquement, je trouve que c'est une très belle fille, mais elle crie trop. Ouais. C'est moi qui crie trop aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu cries trop beaucoup, toi. Ouais, en fait, vrai. Tu me suis. Ouais, c'est vrai. Tu cries. Des fois, je suis dans ma chambre et tu m'entends. Comme une rappelle le snap. Tissène. En fait,
rappelle, moi je suis dans la cuisine et en fait je crie et elle crie. Et je recrie et elle crie. Mais rien qu'à s'amuser en fait. Et en fait on pousse des cris. C'est vrai quand même, je crie. Hein. Mais je suis une... ça te fait pas du bien quand tu cries à la gorge? Non, je jure, moi quand je crie ça me fait du bien. Mais ça se voit, genre de l'extérieur, si je me mets à l'extérieur de moi, ça se voit, je suis une peste, tu sais. Genre en mode. La peste elle m'a envie, elle fait. Pourquoi toi? Non, en vrai, je suis pas comme ça, je m'embrouille pas et tout. Je fais pas du tapage. Yannine, elle a marqué. Elle a de trop grosses fesses, lol et ses pieds de grenouille. C'est ma mère qui a des pieds de grenouille. Ma mère, elle a des pieds de Hulk. La dernière fois, on m'a dit j'avais plus beau pied. Tu te rappelles, tu veux que je te remette Instagram? Non. Tu veux que je te remonte Instagram? Le monsieur qui a dit à ma mère qu'elle avait les trop beaux pieds du monde, t'as pas vu mes pieds alors? C'est un fétichiste, il a dit j'ai jamais vu des pieds aussi beaux. Non, en vrai, ils sont pas jolis. Non, mais arrête, déjà, moi non plus, en vrai, j'ai pas des beaux pieds. Du coup, t'as un gros cul et en plus, t'as des pieds de grenouille. Eh, j'ai pas un gros cul. J'ai un cul, il est. Inch'Allah. Alors ensuite, ses pantalons qui lui collent à la foufoune. Oui, bon, ça. C'est vrai, en plus, tout le temps, mes pantalons, ils me font foufoune. T'es fan d'un deux. Il me fait une foufoune. Voilà, je suis du Niagara. Les babines du chameau, quoi. Oh, putain. Non, en vrai. Les babines du chameau. Surtout les leggings. Tu sais, il y a des filles, elles ont jamais la trace de foufoune. Je sais pas pourquoi. Elles mettent les serviettes hygiéniques épaisses. Tu crois? Oui, je crois. Parce que. Mais elles ont la vraie fendue. Elles mettent pas la serviette de bain. Hein. C'est une petite protège-slip. Hein. Ça craint trop. On parle de fouf, tu sais. Alors, les ongles sont trop longs. Aujourd'hui. Mais d'habitude, les ongles sont trop longs. J'aime trop, moi. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent les manucures courtes. Je me cure pas le nez, hein. Mais ça décroche la narine. Ah ouais. Mais tout le monde me le dit, mais moi, j'aime trop. Après, c'est vrai que des fois, c'est quand ça pousse et tout, c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'il y a? Je lis des messages. Quand ça pousse, c'est beaucoup trop long, mais moi, j'aime bien. Après, je crois que c'est bon. Après. Ensuite. Putain, mais on fait que voir mes bzaises. Alors, quand elle laisse sa moustache trop longue, quand tu lui fais la bise, ça pique. Ce n'est pas agréable. Qui a osé dire ça? Que c'est plus ma copine? Moi, c'est quelqu'un que je connais, j'espère. Non, mais c'est quelqu'un que t'as dû lui faire la bise. Hein. Donc, du coup, t'as la moustache. J'avoue, j'ai de la moustache, mais elle pique absolument pas ma moustache. Attends, vas-y. Ah oui. Oh, non, en plus, t'es une grosse mytho. Pas du tout. Non, c'est vrai que t'as la moustache. C'est vrai, j'ai la moustache. Hein. Ah oui, t'as la moustache. Oh ouais, c'est une perruque. Tu veux faire des couettes avec. De tresse. Ensuite, j'ai remarqué quand tu te baisses, tu as l'arrêt des fesses presque au milieu du dos, c'est normal. Papa. T'es papa sur la côte, non? Cette personne-là, tu as la même chose que papa. J'ai l'arrêt des fesses, elle remonte jusqu'à la nuque. Là, des fois, j'ai le cul qui gratte, c'est juste un peu. En fait, ça suit la colonne vertébrale. Attendez, je m'en gratte la queue. Je me gratte l'arrêt des fesses. C'est pas drôle. Ok, j'avais mon cul pour dire ça. Donia. Céline, c'est qui? Imen. Ensuite, tu avais les orteils qui ne touchaient pas le sol depuis que tu es revenue de Tunis. Ils touchent. Chirurgie? Les orteils? Pourquoi je veux comprendre? Tu avais les orteils qui ne touchaient pas le sol depuis que tu es revenue de Tunis, ils touchent le sol. Est-ce que tu as fait de la chirurgie? Les orteils qui ne touchaient pas le sol? Je sais pas. Ah, tu vois, ça voulait dire quelque chose. Bah oui. C'est qui a dit tout ça? Il y en a une qui a dit. Elle a les lèvres. Non, ben je suis même pas au courant. Elle a les lèvres de sa foufoune. Quand elle met des jeans, elles sont énormes. Vous savez pas ce que c'est une grosse foufoune, je crois. Les filles, elles ont la foufoune, elles pendent jusqu'au genou. Ils se sont lâchés, là, les gens. Qu'est-ce que tu m'en fous, papa? Je suis en train de réagir à ma vie, là. Arrête de parler de ça, franchement, c'est ma partie intime. Alors moi, je dis que les messages. Elle fait beurette. Ouais, mais alors, je vais maquiller, non? Non, je rectifie. Même si pour moi, tout le temps, les filles, c'est des beurettes. Une beurette, c'est une fille qui est très mal maquillée. En l'occurrence, pas moi. Ça t'atteint pas quand on me dit que je ressemble à une beurette? Ouais. Non, parce que toutes les typées maquillées, tout le temps, c'est une beurette. Donc en force. Quand je me maquille trop, tout le monde dit, Fait un maquillage de beurette. Moi j'aime bien.
Avant, je n'aimais pas, mais maintenant, j'aime bien. J'ai l'impression que je me sens... Je passe mieux dans les photos quand je suis plus maquillée. Elle est capricieuse. Non. Si, c'est vrai. Hein? T'es capricieuse, toi. Capricieuse. Quand tu veux un truc, tu fais un peu la comédie. Hein? Je veux jamais rien. Oh non, mais quand tu veux un truc, par exemple, si tu veux que je te fasse un truc, un gâteau, un truc, viens me couper les cheveux, machin, t'es capricieuse, tu me... Ouais, c'est vrai que je m'énerve, en vrai. Mmh. Ouais, c'est pas être capricieuse, ouais, ouais. Si. Si, c'est capricieuse, oui. Si. Ouais, si, oui. Ouais, on en parle des photos de hier, quand tu pleurais sur toutes les photos. Hein? Les photos de ton bébé, tu pleures sur toutes les photos. Et alors? Hein? Tu l'as dit toi-même dans le snap. Je crois que j'étais chiante quand j'étais chiante. J'étais chiante, je le suis toujours. Alors, elle a l'air assez froide et elle répond pas aux gens comme toi, un peu distante avec sa communauté. Ça, c'est vrai. Les personnes avec 1 million d'abonnés, ils répondent même pas à un message. Il y a des gens avec 100 000 abonnés, ils répondent même pas. Même 50 000 abonnés, ça y est, ils répondent plus. Non, en vrai, moi, j'ai l'air un peu froide. C'est quoi le truc? Elle a l'air un peu froide et elle répond pas aux gens comme toi. C'est vrai que distante. C'est vrai que je réponds pas beaucoup aux gens. Franchement, je l'ai jamais caché. Alors, ça sert à rien que je mente. Mais en vrai, je réponds quand c'est des questions hyper urgentes et que je les vois, genre je n'ai pas lâché un vu. Mais la plupart du temps, en fait, je ne regarde pas. Voilà. T'as lâché un coronavirus. Ouais. Je l'ai vu là, stéroïde, je me suis dit, ah, pas moi. Il est par là. Non, putain. Ouais, et que je suis froide, je sais pas. Non, je pense pas. Mais avec les messages, ouais, des fois. C'est pas bien. Ensuite, elle rote comme un bonhomme alors que c'est une bombasse. J'avoue que je rote comme un bonhomme. Ouais, merci. C'est gentil. Mais j'avoue que... Oh, en vrai, c'est moche, hein. Avant, je rotais comme ça dans la rue, je me sentais trop fraîche. LOL. En fait, c'est trop la honte, hein. Ça fait crado, ça fait les crasseuses, là. Ouais. Après, nous, dans les vlogs et tout ça, quand on mange et tout, qu'on rote et tout ça, c'est naturel. C'est oui, pas... mais genre, je veux dire, tu sais, avant, quand j'allais au McDo et tout, je rotais fort devant tout le monde. Maintenant, je le fais que devant les gens en qui j'ai confiance, tu sais. Ouais. On va pas roter à table avec des gens que je connais pas. Oui, quand tu rotes avec nous, c'est quand t'es avec nous, c'est pas devant les gens. Ouais, avec mamie et tout. Quoi. Avec ma famille, je vais pas m'empêcher de roter. Hein. Après, devant les gens, quand même, on sait se tenir un peu quand même. Hein. Petit peu de temps. Hein. Par contre, si on a envie de pétouze, hein. On fait discret, on fait genre c'est les autres. Hein. Ouais, ouais. Et puis en plus, on lance les odeurs vers les autres. on lève vers la personne. Alors, elle râle beaucoup dans les vlogs. Mais sinon, je la kiffe. Ouais. C'est vrai en plus. Oui, moi je regarde tes vlogs alors que dans la vraie vie, c'est parce que dans tes vlogs je suis toujours là quand il faut pas. Et en plus, dans les vlogs, même dans les toujours ce qu'il faut pas. Même dans les vidéos, tu râles tout le temps. Je vous jure, c'est vrai par contre. Des fois je regarde les vidéos, je dis putain, mais je me saoule. Ouais, je regarde jamais tes vidéos parce que je sais que je me saoule. Ou des fois je suis moche dans les vidéos, ça m'énerve. Je suis là, je fais des gueules et tout, ça m'énerve. C'est pareil pour le comportement. C'est chiant. Bon, toujours la même question, ses sourcils. Ses sourcils, c'est revenu 3-4 fois. Mes sourcils, je la trouve. Et après, toujours pareil, je la trouve pas très proche de ses abonnés, je l'adore, mais elle n'est pas aussi accessible que toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, je suis trop. Moi, on m'a dit que j'étais trop accessible, du coup, les gens. Mais après, ils te comparent à toi. Ben, ils me comparent à toi, parce que du coup, ben, c'est normal. Mais je sais qu'ils ne me comparent pas à d'autres, parce qu'il y a très peu de youtubeurs. Sans parler du nombre d'abonnés, parce que vous allez me dire, oui, il y en a, ils ont 500 000, c'est normal et tout. Oui, on est d'accord. Mais il y a même des petits youtubeurs qui répondent pas, hein. Il y en a pas beaucoup qui répondent. Mmh. Ouais, c'est vrai. Moi des fois j'envoie des messages à des youtubeurs et tout. Ouais. Ils me répondent pas. Après, j'ai l'impression qu'entre YouTube, entre communautés, il y a plus de réponses quand c'est kiff kiff que quand c'est tchouk et tchouk. Tu vois, genre 1 million, oui, 100 000, ils vont pas répondre, alors que 1 600 000, ils vont se répondre. Ben, regarde. Après, ça dépend, je mets pas tout le monde à même. Oui, ça. Non, parce que regarde Léna. Là, je vais découvrir Léna. Et Fabien. Et Fabien, Léna et Fabien de TikTok, Léna... Vivas. C'était quoi, hein? C'est la TikTokeuse à la France. Oui, TikTokeuse. Et Fabien, ouais, TikToker. Fabien, vous connaissez, c'est RFX, c'est ça? Et bien franchement, je parle souvent avec Léna, là, depuis pas longtemps. Et franchement, elle me répond tout le temps. Mmh. Et Fabien, pareil, sur Snap, j'ai envoyé des messages, on est amis et tout, sur Snap, elle répond tout le temps. Après, il y en a d'autres, non? Après, ça n'est pas des... Après, oui, après, ça n'est pas des gens. Il y en a qui ne voient pas aussi. Il y en a qui ne voient pas, il y en a qui reçoivent tellement de messages. Moi, des fois, quand je ne réponds pas, c'est qu'en fait, sur Snap, on a les messages qui descendent. Des fois, quand tu as trop de messages, ça descend, ça descend. Des fois, je n'ouvre pas tout. Des fois, j'ouvre le début, je n'ouvre pas la fin. Alors, en fait, il faut vraiment renvoyer un message pour que ça remonte en haut. Aussi, ce qui est chiant. Des fois, ça répond. Comme Kélia Dream, j'adore cette fille. Ouais, Kélia Dream, je vois pas. Des fois, elle me répond et des fois, elle ne me répond pas. Mais souvent, elle me répond. Mais je sais que quand elle ne me répond pas, c'est parce que les messages ils sont partis en bas. Ouais, des fois je la relance. Ouais. Mais c'est comme il y a aussi des fois par exemple sur Insta, quelqu'un va t'écrire
il va t'envoyer un message et tu vas répondre à plusieurs personnes. Mmh. Et le problème, c'est que la personne, elle va te re-répondre, mais toi, tu vas répondre à d'autres personnes. Du coup, la personne, elle va descendre, donc tu lui as répondu une fois, mais tu répondras pas au reste. Oui, voilà, c'est ça. Moi, là, généralement, quand c'est des coucou, ça va, en vrai, je réponds pas. Ah, moi, ça se... Je réponds que quand c'est des questions, comment t'as acheté ça où Moi, je réponds parce que j'aime pas lâcher des vues. Oui, ça fait la fille qui narde, mais c'est chiant, coucou, ça va. Mais c'est pas que c'est chiant, c'est qu'on n'a pas le... Enfin, on peut pas engager la conversation avec genre 10 personnes différentes, en fait, c'est ça. En fait, c'est quand tu reçois un coucou, ça va, ça va. Hmm. Mais si tu reçois 30 coucou, ça va, 40, 50 coucou, ça va, tu commences à dire coucou, ça va, oui, ça va, et toi? Et après, t'engages la conversation, et après, tout le monde, c'est pareil. Moi aussi. C'est pour ça que je réponds plus ou... Ouais, c'est pour ça que moi, des fois, quand je vois ça, je me dis, oh putain, je suis partie pour combien de temps, là? Ouais. Mais ouais. Du coup, c'est mieux de nous écrire genre en mode ouais, je t'aime trop, enfin j'aime trop ce que tu fais et tout. Non, je me suis trompée. Ça, c'est un peu bizarre. Mais j'aime trop ce que tu fais, j'aime bien te suivre et tout. Genre ça, tu vois, tu réponds, la personne de par derrière, elle va t'envoyer des cœurs ou quoi. Elle va pas te dire oui, ça va et toi. Donc c'est moins, moins compliqué quoi. Ouais, t'as plus de questions là. Je crois que tout le monde est en train de préparer pour le tour pour manger. Enfin, tout le monde. Tout, j'ai vu que ça comme critique. Ouais, t'as vu que ça comme critique, mais je l'ai fait un peu tard en fait, les questions. Mais on me supprime, hein. J'ai pas envie de recevoir pire là. Ouais, je supprime. Du coup, on recevra, on le refera ce truc. On le refera. Ah, mais je pensais que ça allait être pire. Bah, en vrai, je m'y attendais. C'est tu t'es pas trop énervée, je trouve, quand même. Hein. Bah, non, parce qu'on me l'a déjà dit plein de fois en fait. Ouais, tu t'es pas trop énervée. Après, je voulais faire la vidéo où les gens critiquent beaucoup Tissène sous mes vidéos parce qu'il y en a des critiques. Hein. T'en rappelles les filles là, que c'est toujours les mêmes qui reviennent à chaque fois, elles sont en train de critiquer. Ouais. Et je voulais faire celle-ci, mais en fait, j'ai pas eu le temps de chercher tous les messages. Il faut que j'aille sous toutes mes vidéos pour chercher tous les messages. Mais si vous voulez qu'on la fasse, dites-nous en commentaire. Mais tu sais que ça me fait. C'est bizarre que tu dis ça parce que moi, je pourrais pas faire ce genre de vidéo parce que j'ai jamais de critiques. Si, t'en as des critiques des fois. Même sur moi, t'en as. Par mois, j'en ai deux. Oui, parce que tu fais deux vidéos par mois. C'est vrai, j'avoue. Mais. Genre, je peux pas faire une vidéo où j'ai trop de commentaires. Ne me venez pas me critiquer pour que je fasse cette vidéo. Mais ou alors c'est peut-être filtré. Parce que je les vois pas, c'est bizarre d'ailleurs. T'as pas. Les critiques sous tes vidéos mais pas sous les miennes. T'as été voir un test spam? Ah. Je vais y aller, je vais tomber de mon étage. Moi j'en regarde les spams et tout. Hein. Ouais. Donc du coup voilà, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse la vidéo. Ouais, je vais tout. Ouais, la vidéo sur les... Tu sais qui c'est que j'ai eu l'idée de cette vidéo, franchement? Non, mais tu sais ce qu'ils vont dire dans les commentaires? Non. Fais pas le ramadan. Je suis maquillée comme une... Ils vont me critiquer encore. Critiquez pas parce que je suis maquillée. Non, mais on a le droit. Je vous suis le droit de se maquiller pendant le ramadan. Mais je fais que recevoir sur mes TikTok. Mais tu fais pas le ramadan, mais t'es maquillée. Mais on a... Oui, on a le droit. Ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Bref, je vais juste préciser. Oui, ta vidéo. Cette vidéo-là, j'ai eu l'idée par rapport au message méchant commentaire. C'est Elena qui l'a fait sur sa vidéo YouTube avec son petit frère, le pauvre, qui fait que se faire critiquer. Ils n'arrêtent pas de lui dire qu'il a un mono sourcil. Il n'arrête pas. Je l'ai pas regardé. Bon, en plus, il est tout petit. Ouais, je l'ai pas regardé. J'ai recommencé à le regarder et après, j'ai pas eu le temps de la finir. Et celle, elle m'a donné l'idée. C'est grâce à elle que j'ai fait cette vidéo. Je dis, ah ouais. Et c'est lui qui répond? C'est lui qui répond, c'est trop marrant. Et du coup, je me suis dit, ouais, moi aussi, je vais faire ça. Et, mais j'ai pas eu le temps d'aller chercher les commentaires sous les vidéos. Mais du coup, j'ai fait le petit quiz sur Instagram. Voilà, mais je l'ai fait trop tard. Ouais, mais moi, je pourrais pas le faire. Et puis, j'avais peur que tu le voyes aussi. Envoyez-moi les critiques sur ma mère, ils vont tous me dire, j'adore ta mère. Trop de la chance. C'est moi, Et moi, vous me critiquez là, et pas elle. Critiquez-la. Dites-moi, elle a des pieds de Hulk, je vous jure, je vous fais une vidéo. Je suis trop gentille, moi, c'est pour ça. Quoi? Bref. Regarde pour mes os. C'est la dame qui dit toujours oui. Moi aussi. T'as vu on voit nos os? Non mais là je force. Non pas moi. Oh. Non parce qu'on est un petit peu maigri. Un petit peu. Fais ton cœur. Ouais. C'est si même qui ensemble. On saute au essuie. Elle est derrière moi, elle m'essuie, après c'est moi, elle m'essuie. On met caca. Vite sur le côté là. Et après la dernière fois j'ai mis une photo. La croisée ton banquet. J'ai mis une photo, il y avait deux cabinets. Et j'ai pensé à ça, je me dis, mais qui c'est qui met deux cabinets? Comment ils font les gens? Ils vont faire caca ensemble ou quoi? Ils font caca. T'imagines? C'est une navette comme ça, bien. T'imagines? C'est lequel qui pue, le tien ou le mien? T'imagines? Tu sais, t'as envie de faire caca? Non, pas encore. Quand t'as envie de faire caca, tu me dis, je me retiens. Maman, j'ai envie de faire caca. Allez, viens, on y va. Ça me dégoûterait. C'est gênant. Je sais pas pourquoi deux cabinets dans la même pièce. J'ai pas compris là. Bref, voilà, on s'est éloigné, on est parti où? On partait de caca. Dans la miniature. Hey, la stéroïde. Tu parles de moi mais tu jettes les mêmes. C'est à la gourmande, elle donne elle. Bref. Ah mais.
fait beurette. Je rêve. Je rêve. Je viens de voir quoi? Donne-moi le téléphone, j'appelle.